Bonsoir, il est 18h si vous nous rejoignez en direct pour cette nouvelle édition du 7-8. Nous allons parler de la rentrée des classes en compagnie du recteur de l'Académie de Versailles. Bonsoir Alain Boissineau. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce jour de rentrée. Une année de transition, une rentrée de transition, c'est ce qu'on entend souvent du côté du gouvernement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que sur le terrain on peut parler de rentrée de transition? Oui, c'est vrai que c'est une année qui se caractérise par les opérations habituelles de rentrée scolaire, mais qui se caractérise aussi par des débats, des réflexions sur un certain nombre de projets qui correspondent à ce que le ministre appelle la refondation de l'école. Donc c'est une année où on travaille sur les semaines à venir, mais aussi sur les années à venir. Donc ça fait un programme chargé. On va parler de ces différents dossiers avec vous durant la première partie de ce 7-8. Nous parlerons également avec vous, Maxime, bonsoir, journaliste à la rédaction de TV Fil, de cette rentrée des classes. Vous avez suivi une enseignante des élèves, dites-nous en plus. Une enseignante des élèves, une enseignante stagiaire, deux enseignantes stagiaires que j'ai suivies pendant leur journée d'accueil, que j'ai suivies pendant leur rentrée. Et des 8h du matin, vous étiez avec les élèves. Tout à fait, avec des petits bouts de choux, des petits bouts de choux en maternelle. Allez, on les entendra tout à l'heure, ces bouts de choux. Et puis ce soir, nous ferons aussi le point sur la participation des athlètes yvelinois aux Jeux paralympiques de Londres. Vous découvrirez l'invention d'une société du département qui développe un concept de réalité augmentée, mais en piscine. Pour l'instant, voici un aperçu en image des reportages de ce soir. À la rentrée des classes, donc, avec ce portrait de Caroline Guillard, jeune stagiaire, elle a fait sa rentrée ce matin dans une école de voisins, le Bretonneux. En primaire, en maternelle, ils sont plus de 160 000 enfants à avoir repris le chemin des cours. Dans les Yvelines, le point complet sur les effectifs pour cette rentrée 2012-2013 à suivre, des effectifs en hausse. Le coût de la rentrée, les fédérations de parents d'élèves s'inquiètent, plus 2,9% par rapport à 2011. Il faut compter 193 € pour un élève rentrant en 6e dorénavant. Et puis le cinéma du Grenier à Selle-la-Trappe a lui aussi fait sa rentrée. Une rentrée tout en numérique avec la transformation de la salle pour une diffusion en très haute définition, toutes les explications avec son directeur Gaël Pinault qui sera sur ce plateau tout à l'heure. Le directeur du Ciné 7, Luc Bocan, sera d'ailleurs lui aussi avec nous ce soir puisque les travaux de rénovation dans son cinéma, ce cinéma d'Elancourt, ont pris beaucoup de retard, une année de retard. En politique, je vous le disais hier, Henri Guénaud, candidat député de la 3e circonscription des Yvelines, ancienne plume de Nicolas Sarkozy, a annoncé sa candidature pour prendre la présidence de l'UMP. Et dès demain, à 18h, en direct dans cette édition, vous retrouverez sa déclaration, ses explications, son choix, pourquoi il a choisi de se porter candidat. Et nous l'entendrons également se prononcer sur le soutien de Valérie Pécresse, la chef de file de l'UMP dans le département, à François Fillon, l'ancien Premier ministre. Pour l'instant, on passe donc au fait du jour. Alain Boissineau est l'invité donc du 7-8. Pour débuter, le recteur de l'Académie de Versailles. On va revenir sur les différents dossiers de la rentrée avec vous. Tout d'abord, les chiffres. Forcément, les chiffres. Des chiffres en hausse, je le disais tout à l'heure. Plus d'élèves cette année dans l'Académie. Oui, un petit peu plus. L'Académie est considérable. C'est 1 200 000 élèves. Mais c'est vrai que la tendance est à la hausse dans le premier degré. On gagnera sur l'Académie environ 3 500 élèves. Et elle commence aussi à se réorienter à la hausse au niveau des collèges. Donc dans les années à venir, l'Académie de Versailles et le département des Yvelines, comme le reste de l'Académie, seront en augmentation démographique. Comment vous expliquez cette augmentation? C'est démographique? Il y a des nouveaux arrivants dans les différents quartiers, les Yvelines séduisent? Oui, il y a des phénomènes d'attractivité des territoires, et puis il y a aussi les conséquences du fameux baby-boom de l'an 2000. Vous savez que la natalité en France est plus importante que dans beaucoup d'autres pays européens. C'était prévu, voilà. Et ces jeunes-là sont des jeunes qui ont parcouru l'école primaire, qui arrivent maintenant au collège. Donc nous sommes très heureux de les accueillir en grand nombre. Grand nombre d'élèves, est-ce que les moyens aussi suivent? Est-ce qu'il y a une augmentation des moyens pour cette rentrée? Vous le savez, le gouvernement a souhaité nous donner un coup de pouce dès le début de l'été, donc notamment dans le premier degré, puisque c'est là que nous avons les élèves les plus nombreux à accueillir. Nous avons pu répartir dans l'Académie une centaine de postes supplémentaires, 22 dans les Yvelines. Ça a été un ballon d'oxygène qui nous a permis de confirmer un certain nombre d'ouvertures de classes ou de revenir sur des projets de fermeture qui avaient pu être envisagés. Et j'espère qu'on continuera sur cette lancée dans les années à venir. Pas de blocage ce matin? À ma connaissance, pour le moment, les choses se passent bien et je suis un recteur serein. Allez, on parlait des chiffres justement. On va faire un point avec ce petit reportage, un point sur les chiffres qu'il faut retenir de cette rentrée 2012 dans l'Académie de Versailles.
Quelques 297 000 élèves ont fait leur rentrée ce mardi matin dans les Yvelines, plus d'un million dans l'ensemble de l'Académie de Versailles. Des effectifs en légère hausse par rapport à l'an dernier, la progression la plus significative est à chercher dans le premier degré. Pour accueillir ces élèves, on annonce du côté du rectorat des moyens en hausse, 100 postes de professeurs des écoles supplémentaires dans l'académie, 22 pour le seul département des Yvelines. Toujours dans les Yvelines, on compte 40 emplois d'assistants d'éducation en plus, ces postes dédiés à la vie scolaire, et d'ici à la fin 2012, des assistants chargés de prévention et de sécurité des APS vont aussi être recrutés sur la volonté du nouveau gouvernement. Ils seront 500 en France, 46 dans les 4 départements de l'Académie à se charger d'agir contre les violences. Enfin, un dernier chiffre, l'Académie emploie cette année 90 923 personnes, dont plus de 39 000 enseignants en collège et lycée. J'aimerais qu'on s'arrête pendant quelques instants sur ce qu'on a entendu dans le reportage, le recrutement à venir des APS, des agents chargés de prévention et de sécurité. Il y en aura 500 en France, c'était une volonté du gouvernement. 46 à peu près vont être recrutés dans l'Académie d'ici la fin de l'année. Ça va consister en quoi ? Alors l'idée est simple, ça fait un certain nombre d'années que nous essayons d'aider ceux des établissements qui rencontrent le plus de difficultés, notamment autour des problèmes de sécurité et de violence. Nous avons dans l'Académie un centre qui est chargé avec un ensemble de compétences de répondre aux besoins, aux appels des établissements qui ont besoin d'être accompagnés face à ces difficultés. Et là, nous allons avoir la possibilité, grâce à ces assistants de prévention et de sécurité, d'avoir non seulement une ressource à répondre à la demande, mais d'avoir, et ça ce sera une nouveauté, des personnels compétents et formés, nous allons les former dans les 2 mois qui viennent, qui seront à demeure dans les établissements les plus difficiles pour aider les chefs d'établissement et leurs équipes. Nous allons donc avoir tout un ensemble de moyens d'accompagnement à la disposition des établissements. Pour éclairer le téléspectateur, quand on parle de sécurité, il s'agit d'agressions qui viennent de l'extérieur ou alors de sécurité entre les élèves, il y a alors, des problèmes de friction. Les deux cas peuvent se présenter. Nous avons effectivement des problèmes qui peuvent être des problèmes de tension interne aux établissements, des phénomènes de raquettes, des phénomènes de conflits entre élèves qui concernent les élèves eux-mêmes de l'établissement à l'intérieur ou souvent aux abords des établissements. Et puis il peut y avoir dans certains quartiers des phénomènes qui sont liés à l'intrusion d'éléments extérieurs dans les établissements. Donc c'est en effet sur tout cela qui se joue souvent aux abords immédiats de nos collèges ou de nos lycées. C'est sur tout cela qu'il faut agir. Et quel profil alors pour recruter justement ces futurs APS ? Alors on va chercher des candidats qui doivent avoir déjà un certain niveau de formation. On les recrutera au niveau Bac plus 2. On les recrutera pour leur intérêt, pour les questions de vie scolaire, pour leur intérêt pour l'accompagnement des jeunes. Et on leur donnera pendant les 2 mois qui vont venir une formation qui leur permettra de mieux connaître le fonctionnement de nos établissements, de connaître les différentes situations auxquelles ils peuvent avoir affaire. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des vigiles non plus. Quelle marge de manœuvre ils ont, en fait. Ce seront des personnels de l'éducation nationale, mais qui travailleront en liaison étroite avec éventuellement des responsables de la police ou de la gendarmerie. Vous savez que nous avons dans la plupart des établissements des relations étroites et confiantes avec les services de police et de gendarmerie qui souvent désignent des référents auxquels l'établissement peut faire appel en cas de difficulté. L'idée, c'est d'avoir toute la gamme des réponses possibles pour faire face aux différentes situations qu'on peut rencontrer. Et le recrutement est en cours. Le recrutement est en cours. C'est facile de trouver ce type de profil, justement ? Je pense que, compte tenu du niveau de formation et compte tenu de la motivation qu'on demande, il va nous falloir effectivement faire connaître cette possibilité. Donc, merci de me donner l'occasion de le faire ce soir. Et les personnes intéressées peuvent s'adresser soit aux chefs d'établissement, parce que les chefs d'établissement recruteront, soit au rectorat. Nous avons un centre d'aide aux écoles et aux établissements qui va organiser l'ensemble de la campagne de recrutement. Et le recrutement, donc, est en cours. On va s'intéresser tout de même à l'humain. On parle du côté technique de la rentrée avec les chiffres. Mais Maxime, vous les avez suivis, ces enfants, ces enseignants, qui ce matin étaient dans les classes. Un peu d'humain au milieu de tous ces chiffres. Tout à fait. J'ai suivi plus particulièrement les enfants et les professeurs de l'école du Bois de la Garenne à Voisins, le Bretonneux. Alors, plus particulièrement, une professeure stagiaire qui s'appelle Caroline Guillard. Alors, pour elle, c'était une journée extrêmement importante puisque, comme beaucoup de professeurs, elle considère que la première journée, le premier contact avec les élèves, ça va déterminer finalement la relation qu'elle va avoir avec ses enfants pendant l'année. Bon, c'est la première fois qu'elle se retrouve face à 25 élèves. Elle avait un peu peur. Elle n'était pas très rassurée, pour être tout à fait honnête. Donc, je l'ai vue la veille de la rentrée et je l'ai vue le jour de sa rentrée. Il y a quand même
une petite chose dans sa formation qui l'a aidé à bien appréhender cette journée. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Regardez ce sujet. Cartable sur le dos, vélo à la main, retrouvailles entre copines, pas de doute, comme partout en France, au groupe scolaire du Bois de la Garenne, aujourd'hui, c'est la rentrée. Hier encore, l'établissement vicinois était pratiquement vide. Seule activité, les derniers préparatifs avant le jour J. Caroline Guillard a 28 ans, elle est professeure stagiaire et pour la première fois, elle va se retrouver devant une classe de 25 élèves de maternelle âgés de 4 à 5 ans. Pour le premier jour des bouts de chou, elle n'a laissé aucun détail au hasard. Un moment d'accueil autour de jeux d'hiver dans la classe. Ensuite, un moment de regroupement où on va se présenter chacun notre tour, à la fois les élèves qui se connaissent déjà, mais également les nouveaux. Et moi-même, bien sûr, puisque moi, je vais être la nouvelle maîtresse ici. Pour devenir stagiaire, Caroline a suivi un master de professeur des écoles à l'université Versailles-Saint-Quentin. Elle a bénéficié d'un dispositif en alternance, grâce auquel elle a eu en charge tous les lundis une classe de CE2 pendant un an. Malgré cela, elle estime avoir encore beaucoup à apprendre sur le niveau maternel. Une demi-heure avant l'arrivée des élèves, Caroline est confiante. Je suis arrivée à 7h30. En arrivant, j'ai disposé les étiquettes sur les porte-manteaux. J'ai préparé les différents jeux pour l'accueil sur les tables et dans les différents coins de la classe. Une préparation qui semble avoir plu aux enfants. Un dernier coucou aux parents et c'est parti pour une année qui s'annonce riche en nouvelles expériences pour tout le monde. Comment tu t'appelles ? Augustin Marie. Augustin. Paul. Et donc c'est exactement à ce moment-là qu'on a quitté Caroline, voilà, quand elle était en train de faire son premier rassemblement avec les élèves. Donc on a entendu parler de la formation en alternance, à un moment où quand même on entend beaucoup parler dans les médias, dans l'actualité, du manque de formation enfin, que ressentent certains professeurs. C'est important ce type de formation ? C'est très important. On a un grand débat dans notre pays sur la formation des enseignants, et c'est un des axes principaux annoncés par Vincent Peillon, que de travailler à réorganiser, refonder la formation des enseignants. Et ce sont des sujets dont nous nous sommes saisis dans l'Académie de Versailles, notamment avec les collègues de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. La jeune enseignante, là, y faisait allusion. Et nous avons expérimenté ces deux dernières années un dispositif dont nous pensons d'ailleurs qu'il a vocation justement à servir un peu de modèle pour la réforme à venir, qui consiste à commencer le plus tôt possible à préparer les enseignants à la réalité de la vie des écoles et des établissements. Et donc, au lieu d'attendre qu'ils aient passé leur diplôme pour leur donner une formation professionnelle, l'objectif, c'est pendant la préparation du diplôme, de leur permettre une journée par semaine de travailler auprès de leurs collègues avec un conseiller pédagogique dans une classe et de découvrir peu à peu la réalité du métier. Alors ça permet de démarrer le jour de la rentrée, certes avec encore un peu de trac, mais c'est normal, mais avec déjà une bonne préparation. Alors, va-t-on assister au retour des UFM ? Je vous poserai la question tout à l'heure, voir un petit peu vers quoi on s'achemine sur les prochaines rentrées. J'aimerais juste qu'on entende les enfants qu'on a vus tout à l'heure. On les a vus, ils avaient l'air sages avec leur enseignante. Voilà, alors on les a entreaperçus. Vous allez les voir maintenant dans un micro-trottoir devant l'école. Quelques pleurs, quelques moments de... Vous leur avez fait peur ? Non, je ne leur ai pas fait peur. Je leur ai pas fait peur, je leur ai juste demandé un petit peu comment s'étaient passées les vacances, ils étaient contents de retourner à l'école. Bon, dans l'ensemble, et ça on pourra revenir dessus après, je pense au rythme scolaire, beaucoup avaient oublié ce qu'ils avaient fait en début de vacances. Les vacances parce que sont ça veut dire longues. Que les vacances sont trop les longues. Vacances sont trop longues. En tout cas, regardez, les enfants sont contents de retourner à l'école. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment c'était les vacances ? Je me rappelle plus que ça. Ah ! Formidable ! À ce point-là, qu'est-ce que tu as fait ? On est allé chez les grands-parents. Ouais. Je suis allée à la montagne, je suis allée au lac Achard. Ouais. Je suis allée à Fréjus et je suis allée... Et puis j'ai fait du bateau. On a fait de la piscine, on est allé à la plage et on a fait de l'escalade. Et c'est pas trop dur là de revenir à l'école ? Non. Non. Pourquoi est-ce que tu veux revenir à l'école ? Parce que j'aime bien l'école. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien à l'école ? La récréation et de travailler. Ah ouais, surtout la récréation. Surtout la récréation. Bravo Maxime, vous les orientez vers de mauvais chemins. Est-ce que les vacances sont trop longues justement ? C'est la question qu'on posait tout à l'heure sous forme de blague, mais est-ce que c'est une réalité ? Ces vacances sont trop longues, les rythmes scolaires. Alors je ne sais pas si les vacances sont trop longues, mais je suis à peu près persuadé, et je crois que je ne suis pas le seul, que l'année scolaire est trop courte.
Alors, je vous laisse la responsabilité ensuite de trouver le bon équilibre. Vous préférez pas trop vous engager sur ce dossier-là, mais vous souhaiteriez tout de même que les vacances soient plus courtes l'été ? Non, c'est toutes les entrées mises à part. On sait que le débat sur le rythme scolaire est compliqué dans notre pays, mais il y a tout de même une réalité sur laquelle il y a un très large consensus. C'est sur l'idée que nous sommes probablement le pays en Europe qui a le nombre de jours de cours le moins important et qui pourtant a les programmes et souvent les horaires les plus lourds. Cherchez l'erreur. Donc il y a un vrai sujet. Nous imposons aux élèves, nous imposons aux collégiens et aux lycéens encore des journées et des semaines de travail qu'aucun adulte n'accepterait de faire. Et ça demande une vraie réflexion. Le ministre l'a engagé. Alors tout le monde est d'accord sur le constat. On sait bien que dès qu'il s'agit de proposer des solutions, ça devient un sujet plus sensible. Mais je crois qu'une prise de conscience à ce sujet est nécessaire. Et c'est pour ça que vous le disiez tout à l'heure en préambule, c'est une année de transition. Beaucoup de choses vont changer. Alors par exemple, est-ce qu'on va revenir aux IUFM ou en tout cas, on va peut-être pas les appeler IUFM, mais il y aura des instituts à l'avenir. C'est une des pistes étudiées. Ce qui est prévu, c'est effectivement de créer ce que nous appelons des écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui ont vocation à former les futurs enseignants et plus largement les personnels d'éducation. Et ces écoles, elles seront à l'intérieur des universités parce que c'est très important que dans notre pays, les universités qui forment les médecins, qui forment les juristes, qui forment des ingénieurs, soient capables aussi de former les futurs maîtres, comme c'est le cas dans tous les pays comparables aux nôtres. Et tout le travail que nous avons à conduire, c'est de faire en sorte que ces écoles soient capables à la fois de donner aux maîtres un bon niveau de formation universitaire dans les différentes disciplines qu'ils auront à enseigner et en même temps soient capables de leur donner une vraie formation professionnelle pour les préparer à l'exercice de leur métier. Mais est-ce que les professeurs resteront toute leur vie des professeurs ? Parce que moi j'en ai rencontré justement pendant une journée d'accueil, il y en a certains qui ont déjà prévu un plan B au cas où ils perdent la flamme. Mais pourquoi pas ? Nous sommes à une époque où les rythmes professionnels évoluent et il faut en effet pouvoir évoluer, il faut pouvoir changer. Et donc, il faut sans doute imaginer un système qui permette d'entrer dans l'enseignement à différents métiers, à différentes périodes de sa vie et de sa carrière. Pourquoi pas devenir enseignant après avoir été professionnel dans tel ou tel domaine de nombreuses années et y apporter une expérience originale. Et de la même manière, en effet, il faut que les enseignants puissent, au besoin, bifurquer vers d'autres activités professionnelles. C'est-à-dire que l'évolution au sein même de la profession d'enseignant, c'est difficile de gravir des échelons. Mais le problème que nous avons de ce point de vue-là dans l'enseignement, c'est qu'on travaille avec des masses de personnel absolument considérables. Donc quand vous travaillez sur 1 million de personnes, c'est très difficile d'organiser leur mobilité. Quels sont les employeurs dans le privé ou même dans les collectivités territoriales, etc., qui seraient en mesure de recruter autant d'enseignants qui, éventuellement, voudraient pouvoir évoluer. Donc le problème est un problème de nombre. Il n'est pas facile d'organiser, ni à l'intérieur de l'éducation nationale, ni à l'extérieur, la mobilité suffisante. C'est ce qui explique que ça prenne du temps et que ça appelle de nouveaux modes d'organisation. Nouvelle organisation, des réformes à venir prochainement. Quelles sont les réformes pour l'école en tant que parent que vous attendez ? C'est une question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. C'est l'une de nos questions du jour de cette édition du 7-8. Juste qu'on ait des heures de cours et des profs qui soient attentifs, ça serait déjà un bon début. Ce que je pense des réformes, je voudrais qu'on arrête un petit peu les réformes et qu'on commence à travailler. Voilà. Je pense que ce qui est le plus ennuyeux dans toutes ces réformes, c'est tout simplement que chacun veut laisser sa patte et que finalement, on ne sait plus du tout où on en est. Parce que chaque année, on a une nouvelle réforme. Et chaque année, on doit s'adapter. Il est où l'enfant ? Il est où l'enseignant ? Quand j'étais petite, moi, j'en avais de l'éducation civique ou de la morale à l'école. Puis, c'était bien, je trouvais. Alors, peut-être ça va revenir, je ne sais pas. Je pense une meilleure formation des professeurs ou des instituteurs. On voit qu'ils sont lancés, on va dire, devant une classe sans énormément de formation. Peut-être prendre l'exemple sur les professeurs expérimentés et pourquoi pas être en doublon une année. Je vois que mon petit-fils, là, ils sont 30. Donc déjà, ça manque de maîtresses, quoi. Parce que là, ils ont supprimé des postes.
Voilà pour ces quelques pistes qui ont été émises par les téléspectateurs que nous avons rencontrés. Il y a des choses qui vous semblent intéressantes, des pistes à creuser ? Mais il y a des choses très justes. Je crois qu'une mère d'élève disait il faut cesser d'accumuler toujours des réformes. Et je crois que dans l'esprit du ministre, l'idée de la refondation de l'école, c'est précisément le contraire de l'accumulation et de la stratification des réformes. Il faut que cette réforme soit la bonne. Il y a quelques fils conducteurs essentiels sur lesquels il faut travailler pour réconcilier la société française et l'école. Mais c'est des choses simples. Hier, vous savez, nous avons accueilli à Trappes le président de la République qui venait visiter le collège Gagarine, où des équipes extraordinaires, par leur motivation, par leurs compétences, font un travail tout à fait remarquable. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont saisis d'un sujet essentiel qui est notamment la meilleure coordination entre l'école primaire et le collège. Comment faire en sorte qu'il y ait plus de continuité, plus de cohérence entre les enseignements des écoles et ceux du collège ? Ils travaillent avec leurs collègues professeurs des écoles, ils imaginent ensemble des progressions, des évaluations, ben voilà un sujet tout à fait essentiel. Il y en a quelques autres, notamment une meilleure personnalisation des enseignements au collège, au lycée, une meilleure coordination avec l'enseignement supérieur. Je crois que les défis qui sont devant nous, c'est de creuser quelques sillons, d'avancer sur quelques dossiers aussi stratégiques que cela et de mobiliser toutes les énergies sur ces sujets. Il y a des dispositifs un peu test, modèle dans l'académie, dans votre académie, celle de Versailles. Par exemple, je pense au lycée de la Nouvelle-Chance, à Cergy-Pontoise, qui a été lancé. Qui est un très beau projet, qui pourra d'ailleurs concerner éventuellement des élèves venant des Yvelines. L'idée est simple. Vous savez qu'il y a, à Versailles comme ailleurs, trop d'élèves qui abandonnent leur scolarité en cours de route et qui sortent du système scolaire sans qualification. L'idée, c'est comment faire pour leur donner une deuxième chance et pour leur donner la possibilité de reprendre, selon des modalités aménagées, une scolarité. Donc, en effet, le lycée Kassler de Cergy-Pontoise propose dès cette rentrée, sous la houlette d'un chef d'établissement dynamique, d'une équipe très, très motivée, un dispositif qui va permettre de donner cette nouvelle chance à une cinquantaine d'élèves. Ce sont des jeunes qui ont abandonné leur scolarité, qui ont eu une année, deux années de difficultés, qui veulent reprendre et qui sont recrutés sur la base d'un entretien de motivation et qui seront préparés au baccalauréat avec évidemment des pratiques pédagogiques adaptées, un système de tutorat, parce qu'on n'enseigne pas à ce type d'élèves comme on enseigne à un public classique. Voilà un beau défi qu'une équipe très motivée, là aussi, a entrepris de relever. S'il y a des parents qui sont intéressés, bien sûr, les accompagnons vers le rectorat s'ils souhaitaient en savoir plus sur le dispositif. Nous les accompagnons au mieux. Au niveau des réformes, juste pour conclure, il y a deux réunions qui sont à venir dans l'Académie, 18 et 21 septembre, du côté de Cergy et de Savigny. Il n'y en aura d'ailleurs pas dans les Yvelines. Ça fait partie de la grande concertation nationale autour de la refondation de l'école. Voilà, ces réunions, elles sont très largement... Elles sont ouvertes à tous. Comment ça va se dérouler concrètement, 18 et 21 septembre ? L'idée, c'est d'organiser deux grands forums débat qui participent de la concertation nationale qui est actuellement en cours sur deux sujets qui nous paraissent particulièrement importants. L'un que j'évoquais tout à l'heure, qui était le thème de la visite du président de la République hier à Trappes, c'est la liaison entre le premier degré et le collège. Comment éviter les cloisonnements artificiels et comment construire une véritable cohérence des apprentissages. Puis le deuxième sujet, qui est également très, très important, là nous nous réunirons à Gennevilliers sur ce thème, c'est comment faire en sorte que les formations professionnelles, technologiques de l'éducation nationale répondent mieux aux besoins de l'économie. Vous savez que tout le monde s'inquiète à juste titre de la situation de l'emploi dans ce pays, mais tout le monde considère aussi qu'il y a un décalage entre les besoins des entreprises et les publics que nous formons. Et l'une des clés du redressement productif, comme on dit aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre appareil de formation réponde mieux aux besoins de l'emploi. Et il y a là un beau défi que nous avons entrepris déjà de relever dans l'Académie. Nous y travaillons avec la région Île-de-France. Et je crois que peu à peu, l'image de nos lycées professionnels est en train de changer. Ces deux réunions auront lieu 18 et 21 septembre dans l'Académie de Versailles. La concertation au niveau national devrait s'achever fin octobre. Mmh. Et puis le projet de loi, ce sera pour la fin de l'année. Ce sera pour Noël, si tout va bien. Et on aura l'occasion de vous faire revenir sur ce plateau pour nous en parler. Merci d'être venu sur le plateau. Merci également, Maxime. Vous allez nous quitter quelques instants. On va parler d'un tout autre sujet. L'été à la base de loisirs était difficile. Nous allons revenir sur différents dossiers difficiles qui se sont déroulés du côté de la base de loisirs, notamment la noyade d'un enfant de 5 ans. Les responsables de la base de loisirs reviendront sur les incidents
incidences sur cette catastrophe et bien sûr sur ses incidences. Et Maxime, donc, vous reviendrez en plateau, on parlera innovation avec vous. Ce sera la chronique de l'innovation. On va juste regarder un dernier reportage concernant cette rentrée scolaire. Cela concerne les fournitures scolaires avec des parents d'élèves qui s'inquiètent. Le coût de la rentrée a progressé plus 2,9% par rapport à 2011 selon les dernières estimations de Famille de France. La rentrée, c'était aujourd'hui. Pour les parents, l'heure est aussi à l'achat des fournitures scolaires. Dans cette enseigne spécialisée à Montigny, on se prépare depuis quelques temps. On prépare la liste scolaire, c'est-à-dire les clients peuvent nous envoyer par fax, par mail ou déposer une liste ici. On le prépare gratuitement, ils viennent le payer, comme ça ils économisent beaucoup de temps. C'est donc liste en main que les parents font leurs courses. Les revenus les plus faibles disposent d'une allocation de rentrée. Pour les autres, c'est un véritable budget. La rentrée, c'est une vraie dépense, plus les différentes affaires de sport et autres qu'il faut renouveler. Donc c'est un gros budget, c'est un mois difficile. On cherche ce qui est sur la liste. Alors généralement, les profs sont assez précis et exigeants. Donc ma fille rentre au collège. C'est la première fois qu'elle a une liste assez chargée. Donc c'est la première fois que je fais une rentrée. Donc j'avais pas vraiment de budget. Maintenant, je me rends compte de ce que ça coûte. Bah oui, j'en suis déjà à plus de 200 euros, oui. Dans ce magasin, on constate une augmentation de 3 à 4 % du nombre de clients. Le rush est attendu pour le week-end prochain.